un Eldorado au bout des doigts. Bannières, habillage, vidéo, la publicité en ligne s'impose de plus en plus sur les écrans. Comme si les annonceurs, pris de frénésie, ne demandaient qu'à faire pleuvoir sur le web les millions de leur budget publicitaire. Entre 2011 et 2013, il a doublé. Déjà 90 millions de dirhams investis dans la publicité en ligne, alors les agences web flairent le filon et se bousculent pour gagner leur part du gâteau. Un métier nouveau, avec ses techniques et son jargon, ce qui n'empêche pas de faire des affaires à l'ancienne. Tu me ramènes quelqu'un qui achète chez moi, je te rémunère. Tu me ramènes un visiteur, tu ne m'aimes pas à rémunérer. Le coût par millier d'impressions, qu'on appelle CPM, peut varier d'à peu près 10 dirhams jusqu'à 200 dirhams. Un petit clic, ça peut rapporter gros, mais la publicité en ligne, certains s'en méfient. Méthode, contrôle, résultat, pour beaucoup d'annonceurs, il doit encore faire ses preuves, le monde digital. Inconnu, donc on ne sait pas qui sont ces gens, est-ce qu'ils sont crédibles ou pas. Tout le monde essaye de frauder pour gagner de l'argent avec ça. Mais 16 millions d'internautes, des jeunes surtout, c'est autant de consommateurs potentiels. Alors, la pub en ligne passe à la vitesse supérieure. Un e-business qui profitera aux audacieux qui, les premiers, ont deviné le fric au bout du clic. Au volant de la voiture, le patron d'une agence de publicité. Ce jour-là, pour Nawf El Bedri, pas question d'arriver seul. Cette réunion client, ici à Casablanca, doit impérativement se dérouler avec Youssef, son spécialiste internet. Pour les accueillir, l'équipe marketing d'un constructeur automobile. Ils s'apprêtent à lancer une campagne pour un modèle déjà commercialisé, mais leur nouvelle cible, ce sont les jeunes. C'est une rupture dans la continuité, c'est-à-dire que la marque reste une marque qui est pour nous la marque des Marocains. C'est la marque leader depuis juillet 2010. C'est une campagne qui s'adresse beaucoup aux jeunes, parce qu'on cherche à travers cette campagne de recruter justement ces jeunes-là. Et la campagne va devoir justement faire le maximum pour séduire. Et on compte énormément sur le digital, bien évidemment. Donc, qui dit jeunesse, dit par le digital, dit Internet. Sur la foi de ces enquêtes, le directeur estime qu'une campagne Internet renforcera la notoriété de la marque. Surtout, il veut se démarquer de la concurrence. Et pour ça, le constructeur auto n'y va pas par quatre chemins. Depuis deux ans, il fait pleuvoir sur le web des millions de dirhams. Le pourcentage d'investissement du budget en digital est passé très rapidement, je vous le disais, dans les deux dernières années, de 5% du budget marketing global à 15%, voire 20% en fonction des opérations. Fin de la réunion. Sans surprise, Naufel et Youssef savent exactement ce qu'ils doivent faire. Question d'habitude. La publicité online s'installe bel et bien dans la stratégie des entreprises. On reçoit des demandes notamment de la part des annonceurs pour aller justement toucher les cibles qui sont sur Internet. Et avec à peu près 16 millions d'internautes au Maroc, les annonceurs, à mon sens, n'ont pas intérêt à négliger ce média qui est de plus en plus important. Dès le lendemain, rendez-vous en urgence avec une régie digitale pour lui exposer les besoins de son client français. Il n'a pas le choix, Youssef. Le temps, c'est de l'argent. Les délais sont un petit peu serrés, effectivement, parce que le client nous a donné deux semaines et c'est un gros challenge pour une telle campagne. Mais ça devrait aller, ça devrait aller. En principe, la mise en œuvre d'une campagne en ligne, ça prend un mois. Grâce à cette agence partenaire, Youssef se dit certain de tenir le délai. Bonjour Youssef, ça va ? En contact direct avec les sites, Sophia peut déjà lui dire concrètement comment se déclinera la campagne que Youssef a imaginée. Un concours de street art dans lequel on va faire un appel à candidature. Donc là, pour cette première phase, on a vraiment besoin de créer de la notoriété autour de cet événement. Dans un premier temps, il va falloir, on va dire, toucher les internautes et appuyer le côté émotionnel, exploiter des formats rich media, donc des formats très impactants qui prennent une grosse partie de l'écran. Donc là, on va aller vers des sites internet pour jeunes. Bannières, habillage, vidéo, toutes présentes sur le web à un coût. Les intermédiaires comme Sophia sont rémunérés en fonction du format et de l'audience du site. Lorsqu'on fait de l'image, on va acheter au CPM. C'est le coût par millier d'impressions. Donc le nombre de fois où on va avoir la publicité sur la page d'un site internet. D'accord ? Donc le coût par millier d'impressions, qu'on appelle CPM, peut varier d'à peu près 10 dirhams jusqu'à 200 dirhams. Nouveau média, nouvelle pratique.
Youssef peut contrôler en direct l'efficacité d'une campagne, quitte à changer son fusil d'épaule si ça coince. Si on a un site qui ne performe pas, on peut en temps réel changer et mettre le budget sur un autre site. Ou si on a par exemple Facebook qui performe mieux qu'un autre support, donc on peut mettre un peu plus de budget. Avec l'explosion de la publicité en ligne, les concurrents se précipitent sur ce nouvel Eldorado. Déjà 15 régies web au Maroc. Ça oblige Sophia à rester vigilante tout le temps. Il faut aussi surveiller le marché, voir ce que font les concurrents. Et essayer de voir, de mesurer en fait sa part de marché et de voir si on est toujours aussi efficace qu'on ne le pense. Pour rester efficace, comme elle dit, Sophia a ses petites astuces. Si on a plusieurs annonceurs dans le secteur de l'assurance, peut-être voir celui qui n'y est pas et essayer de l'avoir. Donc il y a une part de gâteau pour tout le monde, il faut être intelligent et avoir la bonne approche. La bonne approche, ou plutôt les bonnes approches, car à chacun sa stratégie. Au centre-ville, une autre régie web vient de voir le jour. Comme Sophia, Youssef Deber se rémunère au nombre de clics, mais seulement lorsqu'il obtient un résultat concret. Ça se base sur le principe ancestral du commissionnement. Tu me ramènes quelqu'un qui achète chez moi, je te rémunère. Tu me ramènes un visiteur qui juste fait un tour sur le site, ben, tu n'es pas rémunéré en tant qu'apporteur de trafic. Youssef, lui aussi, s'appuie sur un réseau de sites partenaires. Objectif, faire remplir à l'internaute un formulaire grâce à des jeux en ligne, par exemple, comme celui-ci. Ou carrément réaliser une vente en ligne, alors là, c'est gagné. Pour ce qui est de la vente, pour les sites e-commerce, on commence à 3% et on peut aller jusqu'à du 12, 15. On a même un annonceur qui a donné 20%. À deux pas d'ici, au même moment, l'autre Youssef, notre responsable internet, digital manager, continue sa série de rendez-vous pour le compte de son constructeur automobile. L'idée, c'est que ça va être un concours basé sur Facebook. Donc on a une première vidéo qui va être un appel à candidature pour faire en sorte que les internautes y viennent participer au concours. Cette agence est spécialiste des vidéos en ligne. Youssef la connaît bien. Donc je ne sais pas si on va aller sur le même type de player. On a développé de nouveaux players encore plus engageants, dans lesquels en fait on va venir intégrer tout le long de la vidéo un visuel cliquable qui va donner envie à la personne pendant qu'il regarde la vidéo, si le produit l'intéresse, et bien de pouvoir vous rejoindre là où vous voulez. Pour de la vidéo, on a de plus en plus de demandes de la part d'annonceurs parce qu'il faut savoir que les internautes sont très friands de vidéos sur Internet. D'ailleurs, YouTube, c'est le deuxième site le plus visité après Google au Maroc. Donc, il y a énormément de consommation vidéo. L'annonceur a fixé un objectif ambitieux. 100 000 internautes doivent regarder cette vidéo. L'agence a tout intérêt à relever le défi. Alors, la vue est facturée à 1,98 dirham. Encore une fois, on parle de vue unique à partir de la sixième seconde, géotargetée, c'est-à-dire qu'on parle de vue sur le territoire marocain pour les annonceurs marocains. Dans ce tarif, 1,98 dirham, l'agence s'engage à faire un rapport très précis à l'annonceur. Le nombre de vues, les partages sur les réseaux sociaux, mais aussi les commentaires des internautes. Par rapport à la plateforme, elle aspire toutes les informations qui ont été dites. Et donc à ce moment-là, moi, je vais sur la plateforme et je commence donc à nettoyer, on va dire, c'est-à-dire que je juge est-ce que ça a été positif ou négatif. Et pour achever de convaincre les annonceurs les plus hésitants, l'agence met en avant le sérieux de son action. Notre plateforme, qui est une plateforme européenne, est certifiée par une tierce partie en Europe qui s'appelle AdLux et qui nous garantit que tous nos reportings sont bons, qu'il n'y a pas de fraude, qu'il n'y a pas de vues supplémentaires qui ont été faites par un internaute qui s'amuserait à faire deux ou trois fois la vue, ou même un affilié qui pourrait s'amuser à un moment donné à essayer de gagner de l'argent avec notre plateforme en fraudant et en regardant la vidéo, soit en la mettant en démarrage automatique en rollover, ce qu'on appelle le rollover, ou même à s'amuser à mettre des petits robots qui comptabiliseraient des vues. La vidéo serait-elle devenue l'arme absolue pour cibler les jeunes sur Internet? Certains annonceurs, en tout cas, misent à fond sur cette stratégie. Avec succès, cette série, par exemple, a été vue plus de 25 millions de fois au Maroc. Le client, un opérateur télécom. Ce soir-là, il organise un énième événement. Coup de chance, la responsable Internet est là.
Côté chiffres, on n'en tirera pas grand-chose, sinon que le budget web a doublé en 2 ans. Ça prouve au moins l'intérêt pour le média, renforcé par le succès de la série. Cette série, d'abord, elle a un capital sympathie et ça rejaillit positivement sur la marque. On sait que les internautes consomment de la vidéo, donc on s'est positionné sur de la production de vidéos. On sait que les internautes consomment des jeux en ligne et on s'est positionné comme éditeur de jeux en ligne. On a d'ailleurs des jeux comme Ronda, Sota, Tomodoro Racing. Grâce à ce genre d'annonceurs, le chiffre d'affaires de la publicité en ligne a été multiplié par 7 en quelques années. Il a dépassé 90 millions de dirhams l'an dernier. Des investissements toutefois bien timides au regard des 5 milliards investis dans les autres médias. Selon cet expert, ça s'explique par une méfiance viscérale des annonceurs. Le web, ils sont encore réticents. Réticents, oui, pour deux raisons. Dans le sens où on se dit, c'est un environnement qui est inconnu. Inconnu. Donc, on ne sait pas qui sont ces gens, est-ce qu'ils sont crédibles ou pas, est-ce qu'ils sont bons ou pas. Donc, du coup, on se dit, ah non, on ne touche pas. Ou on ne fait pas confiance à des structures qui sont spécialisées, qui ont une expertise. Même pour les plus audacieux des annonceurs, les budgets web restent modestes. C'est des petites campagnes. C'est pas, ça ne dépasse pas les 100 000, les 120 000. Donc du coup, quand votre régie, par exemple, vous propose un annonceur, c'est ça la moyenne d'une campagne. Moi, je crois qu'aujourd'hui, avec les chiffres qu'on a, on peut aller beaucoup plus que ça. Moi, je dis qu'on a un travail de pédagogie à faire. La meilleure des pédagogies, c'est sans doute un business réussi. Nous revoici dans l'agence de Sophia. Bonjour Sophia, ça va ? La patronne de la régie web accueille les responsables d'un site de sport. Installez-vous. Merci. À son tour d'expliquer les besoins du constructeur automobile. Le déplacement, on a une demande assez particulière cette fois-ci. C'est que cet annonceur souhaite avoir une exclusivité sectorielle. Donc, est-ce que vous avez d'autres campagnes auto en ce moment ou est-ce qu'on peut. Bien sûr, on peut travailler pour qu'il ait une exclusivité sur notre site. À ce moment-là, bien sûr, on va lui. Je propose de faire l'habillage. Ce site fait partie des 250 partenaires de la régie. Arabophone, il cible les jeunes et revendique 2 millions de dirhams de chiffre d'affaires. Nous avons une audience qui est très très grande, plus de 2 millions de visiteurs par mois, avec un volume de 22 millions d'impressions par mois. Alors à ce moment-là, toutes les agences et même les annonceurs, ils trouvent chez nous donc, l'audience qui peut permettre donc, de distribuer l'image de leur marque. Et c'est pour cette raison que nous sommes présents. Il y a aussi nos tarifs qui sont très intéressants. Rien que pour l'habillage, 5 à 10 000 dirhams par jour. Alors, avec une bonne cliente comme Sophia, il peut se permettre une petite ristourne. Je propose qu'on fasse par exemple 5%. Sophia, elle, touchera un pourcentage du budget web global de l'annonceur. 15 à 30%, ça dépend des campagnes. Sur Internet, tout est négociable. Au niveau des négociations, c'est vrai que c'est une partie qui est assez difficile pour une régie parce qu'on est finalement entre les éditeurs et les annonceurs. Les éditeurs font partie de notre fonds de commerce, donc il faut à la fois les choyer, mais en même temps, on doit vraiment bien négocier nos prix pour fidéliser et avoir plus d'annonceurs. Pour ces pionniers, l'Eldorado du web n'en est qu'à ses balbutiements. Mais au fil du temps, les investissements augmentent. Encore plus 20% cette année, le cap des 100 millions de dirhams est franchi. Leur rêve, c'est qu'un jour, peut-être, la publicité en ligne domine le business de la communication. Alors pour ce sujet, notre invité était tout désigné. Mounir Jazouli, bonsoir, puisque vous êtes le vice-président du groupement des annonceurs du Maroc. Vous représentez une centaine d'annonceurs parmi les plus gros qui concentrent à peu près 95% du marché sur 3900 annonceurs recensés sur tout le royaume. Alors c'est une question qui revient, ma première question, elle revient énormément dans ce reportage-là. C'est la question de la méfiance, de la crainte, de la peur de la part des annonceurs qui hésitent à aller sur ce terrain, à aller jouer sur ce terrain de l'Internet, de la publicité sur Internet. Comment est-ce que vous expliquez que dans un pays où on a la moitié de la population qui est connectée au web, où on a 4 millions de smartphones en circulation, le marché de la publicité sur Internet ne représente que 2%?
Bien, bonsoir Wadia, merci pour l'invitation et je vous félicite pour le choix du sujet qui intéresse tout le monde en ce moment. En réponse à votre question, je rappelle que tout ça remonte à 2006-2007, donc il y a juste 5 ans ou 6 ans de cela. C'est tout récent, c'est tout jeune. Ça a démarré avec quelques aventuriers côté annonceur et côté prestataire. Aujourd'hui, certes, Internet est devenu un puissant média de masse que les annonceurs, quelle que soit leur taille, ne peuvent plus négliger. Les chiffres le confirment, comme tu viens de le citer, un Marocain sur deux est connecté sur Internet, voire même plus. Autre détail très important à mon sens, parce qu'Internet a toujours été considéré comme média urbain, 45% de ces internautes se trouvent en milieu rural. Donc, c'est un changement majeur dans le cycle de vie de ce média. Les chiffres d'investissement publicitaire ne sont pas encore à la hauteur, même si je me méfie enfin, des 100 millions de dirhams qui circulent. Ça reste des estimations de professionnels sur la base de la... Puisque tous les critères sont réunis pour pouvoir y aller, pourquoi est-ce que les annonceurs, et notamment ceux qui sont fédérés au sein de votre organisation, n'y vont pas ? Alors est-ce que c'est un problème de génération ? Parce que ces chefs d'entreprise, ce sont des cinquantenaires, des sexagénaires, des quadragénaires pour, peut-être pour les plus jeunes. Est-ce qu'il y a une réticence ? Parce que comme le disait l'un des intervenants dans le reportage, on ne connaît pas trop l'outil Internet, on ne sait pas ce qu'il y a derrière, on ne sait pas comment ça marche. Donc, on ne saute pas le pas. C'est dû principalement à la jeunesse du marché, comme je viens de dire, et deuxièmement à ça. Et donc, nous, en tant que corporation de métiers et groupement d'annonceurs du Maroc, on s'est lancé dans une démarche de pédagogie et d'éducation de marché depuis 3 ans, 4 ans de cela. On a lancé une série de formations et de séminaires de formation au profit des membres et des non-membres autour de la thématique de publicité sur Internet. Suite à ça, nous avons constaté qu'il y a eu un engouement de plus en plus marquant de la part de nos membres et des annonceurs de ce média qui est Internet. Donc la pédagogie y compte beaucoup. La méconnaissance enfin, du secteur et du panorama enfin, des prestataires et des contributeurs et de la chaîne de valeur de ce secteur y est pour quelque chose. Donc il y a une période de maturité qu'il va falloir vivre ensemble, qu'il va falloir accompagner par de la pédagogie et par de l'éducation du marché côté annonceur et côté prestataire. Et deuxièmement, il ne faut pas oublier enfin, qu'il faut installer des règles maintenant, certes, le marché est encore jeune, on démarre... Structurer le marché, voilà. Identifier les acteurs, faire preuve de transparence, également parce que vous dites qu'on n'a pas d'estimation précise du budget ou du marché que ça représente en termes de chiffre d'affaires. Faute de mécanisme comme ce qu'il y a pour les autres médias. Et faute de mécanismes d'information et faute de volonté aussi des annonceurs de divulguer les budgets qui sont... Enfin, il ne faut pas dire que c'est la faute des annonceurs enfin, de divulguer parce que ça reste quand même des éléments de concurrence, enfin, de compétitivité. Alors comment on fait pour s'y connaître, pour s'y retrouver dévoiler. Il y a des techniques, enfin, au niveau des médias classiques, c'est la pige. Après, on recorrige et on retraite l'information. Sur Internet, c'est extrêmement difficile de piger parce que les techniques diffèrent. Les prestations et les moyens ou les outils de communication sur Internet sont très variés. La pige, ça veut dire qu'on contrôle concrètement, on voit ce qui passe et on sait que sur telle tranche, voilà, ça coûte tel et tel prix. On retraite sur Internet, c'est difficile parce que les formats, les outils, les canaux enfin, sont différents. Mais les outils et les mécanismes existent ailleurs dans le monde. D'ailleurs, j'appelle enfin, de cette tribune, et on l'a lancé déjà, enfin, nous en tant que groupement des annonceurs, on a commencé des contacts avec des prestataires et des acteurs du marché, enfin, les parties prenantes de ce marché, pour pouvoir se mettre en commission ad hoc pour pouvoir travailler sur ces chantiers prioritaires et très stratégique pour l'avenir de ce secteur. Donc créer des passerelles entre les deux pôles de profession. Les annonceurs utilisateurs et les prestataires qui offrent enfin ce genre de prestations. Il y a aussi une carence qu'on relève et qui par définition découle du reportage qu'on vient de voir, c'est celle de la PME. On parle beaucoup des gros annonceurs, des opérateurs téléphoniques. D'ailleurs, ce sont les leaders sur les supports traditionnels que sont la télévision, l'affichage et la radio, et la presse écrite bien sûr. Et donc on les retrouve forcément parce qu'ils ont ce cran-là d'aller, et les moyens aussi financiers d'aller sur ce marché. Ce qu'on a vu aussi dans le sujet, c'est que la publicité sur Internet coûte beaucoup moins cher que la publicité, entre guillemets, traditionnelle. Ça pourrait être aussi un canal de communication, de visibilité pour la PME qui n'a pas forcément les moyens de communiquer à la télévision. Pourquoi est-ce qu'on... Ça peut venir du gouvernement, ça peut venir du professionnel, mais pourquoi est-ce qu'on ne saisit pas cette opportunité-là
sachant qu'en plus, les PME représentent 95% du tissu économique national. Justement, Internet représente un outil de communication extraordinaire pour la PME. Il colle parfaitement à sa situation en faute de moyens financiers. Et il lui permet de faire un tas de choses de façon assez souple et assez pratique et adaptée. Sauf que le problème, enfin, ça rejoint ce qu'on a dit au début, c'est la pédagogie. Généralement, ces PME ne sont pas staffées pour pouvoir faire de la pub classique, du marketing et du commercial, encore moins des outils, des techniques pointues comme Internet et la publicité sur Internet. Donc nous, corporations de métiers, on joue un rôle d'éducation. D'ailleurs, il y a un cycle qui s'appelle lesmatinéespme.com qu'on a lancé en faveur des PME marocaines pour les sensibiliser par rapport à l'importance de la publicité sur Internet, par rapport à ce potentiel qui leur est offert sur Internet. Une autre précision par rapport à la PME, certes, elle n'a pas les moyens financiers, mais juste pour leur clarifier, sur Internet, on peut faire de la publicité payante, c'est-à-dire qu'on paye à travers les différents canaux, mais on peut faire aussi de la publicité gratuite. Publicité gratuite, ça se fera à travers l'engagement de conversation, on va dire, avec notre cible, ouais. Nos prospects ou cibles potentielles, en produisant du contenu attrayant, intéressant, qui va séduire ces gens-là et qui va susciter le buzz qui permettra de faire vivre la marque PME dans les réseaux sociaux en réalité aussi. Vous soulevez une question et un point qui est intéressant, qui est important quand on fait notamment de la publicité ou de la communication de manière globale, c'est celle des contenus et de l'originalité des contenus et de contenus qui soient adaptés à ce média. Dans beaucoup de cas, ce qu'on retrouve sur le web, ce sont des spots ou des images ou des stratégies de communication qui ont été déclinées en fait des campagnes de publicité de médias traditionnels et qu'on fait du copier-coller sur le web. Est-ce que le défi aussi à relever de la part des annonceurs, c'est vraiment de créer une stratégie, d'avoir une réflexion pour pouvoir s'adapter aux spécificités du web? Parce que si on fait du copier-coller d'un spot qui est diffusé à la télévision, forcément les retombées seront limitées puisque le public qu'on a derrière le web est nécessairement différent. Tu as raison, d'autant plus que Internet reste quand même un média choisi, voulu et non pas subi. Donc l'internaute zappeur par sa nature pourra à tout moment switcher vers autre chose ou supprimer la publicité, quel que soit son format qui lui est proposé ou offert. Donc il va falloir séduire cet internaute, il va falloir lui proposer un contenu alléchant, séduisant, qui répond à un besoin précis, à un moment précis, et ça Internet le permet d'une façon assez considérable. Donc le challenge pour tout annonceur qui se lance sur Internet, au-delà de la simple visibilité de la marque à travers des dispositifs basiques, c'est de pouvoir développer ce contenu alléchant, intéressant, et de développer l'idée créative au-delà même de la simple publicité classique, cette idée créative qui va vivre. Et donc on assiste aujourd'hui au phénomène de gamification, les jeux sur Internet, qu'on se voit multiplier tous les jours au niveau de tous les secteurs des annonceurs, et qui donnent des résultats assez intéressants versus dispositifs classiques. Deuxièmement, on assiste et on voit aujourd'hui que des annonceurs, il y en a deux ou trois qui ont été cités au niveau du reportage, il y en a d'autres bien sûr, qui se sont lancés dans une véritable stratégie de brand content qui permettra à la marque de vivre de façon structurée et durable au niveau du réseau Internet. Construire une histoire autour de la marque. Exactement. Dernière question très rapide. On a vu de la part des annonceurs leur attachement aux médias traditionnels et en particulier à la télé, et ça c'est plutôt bon pour une chaîne comme 2M. Est-ce que finalement la solution intermédiaire, c'est pas celle de la télévision connectée, une télévision reliée à Internet et qui permettrait à la fois d'avoir cette visibilité et ce mode de communication classique, et puis aussi de produire du contenu spécialement dédié à celui qui surfera à travers son écran de télévision? C'est la digitalisation des médias classiques. L'histoire nous l'a prouvé, un média ne tue pas un autre. Les médias se cumulent, mais il faut avoir l'intelligence de cohabiter, il faut avoir l'intelligence de gérer cette convergence de médias. À mon avis, l'avenir et le prolongement naturel des médias classiques, notamment la télé, se trouve sur Internet, dans le web, donc libre aux médias classiques et aux chaînes télé de trouver, de repenser leur modèle économique de façon à faire cohabiter les médias offline et online pour offrir le plus de valeur ajoutée aussi bien aux spectateurs, auditeurs qu'aux annonceurs. Mounir Jazouli, je rappelle que vous êtes le vice-président du groupement des annonceurs du Maroc. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci à vous de nous avoir suivis. Merci également pour ces 3 années passées à vos côtés. Merci à tous ceux et à toutes celles qui ont contribué à la réalisation et au succès de cette émission. Et après 9 ans de diffusion, le temps est venu pour Éclairage d'éteindre ses projecteurs. Bonne fin de soirée sur 2M.